Salut les stations, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, ça fait longtemps, ça a mis du temps, j'ai réfléchi un peu dans ma tête. J'ai réfléchi beaucoup, mais j'ai une petite tête, excusez-moi. En tout cas, bref. Là, vous avez vu la petite miniature, on va s'installer des petites lumières. Je vous explique pourquoi je commence par ces petites lumières-là dans la suite de cette vidéo. Donc, je vous laisse avec l'intro. C'est parti! Oh la vache, quel temps de chiottes, j'ai juste le temps de fermer, c'est vraiment pas terrible hein, le temps, mon copain, bon enfin bref, en tout cas là on est dans la cabine pour l'instant, on va pas aller dehors, je vais vous expliquer, alors, je vais vous faire voir déjà ce qu'on va monter, merde attends, excusez-vous rangez-moi, voilà, là tu vois regarde la petite caverne d'Alibaba, il y a du bordel là-dedans, il y a du bordel là-dedans, oh là. Tu t'es frotté la tête. Alors tu vois, bon, la Sibi, c'est pas ça qu'on va s'installer aujourd'hui. Et c'est pas celle-ci qu'on va s'installer non plus. Normalement, j'aurais voulu vous la mettre comme dans le Renault, elle était ici. Mais j'ai eu des nouvelles de mon gros poste, de mon superstar. Donc c'est des vieilles reliques de poste. Les superstars, c'est je sais même pas de quelle année il est, c'est un vieux. Du coup, mon collègue Sébastien, il est en train de me le remettre en état. Je sais pas si tu entends avec la flotte là, mais c'est quoi ce bordel? Oh! Enfin bref. Donc, il est en train de me remettre en état. Pour le moment, on va pas se mettre la CB parce que du coup, je voulais, comme je me répète, la mettre ici. Et vu qu'elle est trop grosse et qu'elle ne passe pas dans les machins d'origine, celle-ci passe, mais pas celle que je vais avoir. Ma vieille, du coup, j'étais obligé tout le temps de la remettre ailleurs. Donc, du coup, elle sera installée ici. Mais pour l'installer ici, je vais pas l'installer comme ça, là où elle gagne une choucroute, là. Elle sera installée ici. Donc, avant d'installer la CB, on se fera une tablette. Une petite tablette avec dedans incorporé... Tout ça. De chez Polytrucks, ça. Tous les poppies, les lumières, support poppy, tout ça, ça vient de chez Polytrucks. Le sifflet turc, c'est pareil. Donc ça va pas être aujourd'hui, ça va être le sujet d'une autre vidéo. Faut que je garde un petit peu de sujet. Hein. Vous partagez quand même. Hein. Le sifflet turc, on refera une vidéo au montage. Et en fin de compte, aujourd'hui, on va se monter ça. Ça vient de chez Polytrucks, tu vois. C'est pas des doubles ampoules, c'est des feux LED de gabarit, des feux de gabarit à LED. Ça ira dans la calandre. Et je voudrais remercier Vincent qui m'a offert ces petites bouliches. Ces petites bouliches, donc on va se les mettre là dessous. On va s'installer ça. Donc là, je suis en train de réfléchir. J'étais en train de réfléchir. Je fais ma coupure. J'étais en train de réfléchir à comment je vais vous faire voir ça pour être le plus clair possible. Donc là j'ai démonté juste pendant la coupure, j'ai démonté la plupart de mes carénages. En fin de compte, le plus dur, ça va pas être le branchement, ça va pas être le passage de câble dans le tableau de bord, ça va être le passage de câble pour le moment la fin du tableau de bord. Quand tu ouvres la porte, t'as le petit attends, on va aller de l'autre côté, t'as le petit il y a moins de flotte à tomber, le petit passe-câble là, tu vois. Oh la vache, oui, ça tombe, t'as le petit passe-câble qui est ici. Ça va être ça le plus dur
à vous faire voir, à essayer de vous faire voir au plus simplement possible pour que vous puissiez le faire sur votre Scania ou votre camion, parce qu'après ça reste le même beans quoi. Il y a rien de sorcier sur un montage électrique. Faut toujours bien savoir qu'il faut que ce soit en premier lieu protégé. Donc le premier truc qu'il faut que ce soit, c'est protégé, donc fusible. C'est simple. Donc tu pars du plus, fusible, et comme là il n'y a pas d'interrupteur, je ne mets rien de plus. Tu vas à tes ampoules, masse, terminé, ça fonctionne. Donc une fois que tu as retiré ton plastique qui se trouve sur le côté entre la porte et ton boîtier à fusible, tu as un petit loquet à tourner. Bon, moi je ne peux pas te le faire voir, je ne l'ai plus. Tu as un petit loquet à tourner d'un quart de tour pour pouvoir enlever cette façade-là. Moi j'ai été trop ours. Tout à l'heure il y a eu une averse, j'ai voulu regarder, j'ai tiré, donc j'ai foiré le truc. Bon, ce qui n'est pas gênant en soi. Donc là, pour le... Oh, attends, je crois que je vais ouvrir. Pour pouvoir l'enlever, ce truc-là, tu as juste à s'acquitter dessus. C'est des agrafes. C'est juste des agrafes. Voilà, comme ça. Tu vois, ça fait un peu bourru. Mais c'est toute ma nature. Enfin bref, on est là. Tu vois, là, tu arrives devant tout le boîtier de fusibles. Ce sont des fusibles où que ça marche par... j'appelle ça par... par barrette, pardon. J'appelle ça par barrette, moi, ce que tu vois. Tout ce qui est ici, c'est une alimentation de... quoi, on ne sait pas, là, je ne sais pas pour le moment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celle-ci, c'est ceci. Tout ça, c'est mes fusibles de veilleuse. Donc, ce qui fait que je... Si tu comprends bien mon histoire... Attends. Nous, on va se brancher ici. Donc, on va pas repartir sur une ligne qui est déjà prise, tu vois. Ça, c'est des lignes qui sont déjà prises. Et celle-ci et celle-ci, ce sont des lignes qui sont en attente. Si tu veux monter quelque chose comme ici, en l'occurrence, on va monter des feux. Tout est à LED, donc il n'y a pas de consommation. On va remettre un fusible 10. Ce qu'il faut acheter, c'est ça. Pour l'instant, je ne l'ai pas. C'est ces petits machins-là que tu remets ici. Et ce qui permet de mettre un fusible, donc ça se clipse par là. Par là ou par là, je sais pas, on va voir ça dans la suite de la vidéo quand je vais les recevoir. Tu clips soit par devant, soit par derrière. Ce qui te permet de mettre ton fusible ici. Et sur ce boîtier-là, tu as une sortie avec une broche et un... Ben, comme là, en l'occurrence, ça va être un fil. Un fil qui va sortir d'ici. Donc là, j'aurai un plus protégé qui commande les veilleuses. C'est-à-dire que dès que mes veilleuses vont s'allumer, toc, eh ben, le plus arrive ici. Si j'enlève un fusible, c'est comme si je faisais un interrupteur. Là, le fusible que j'enlève, la veilleuse, de n'importe quelle veilleuse, je ne sais pas laquelle c'est exactement, j'enlève le fusible, ça fait un interrupteur, ça coupe le circuit, la veilleuse ne fonctionne pas. Je remets le fusible, le contact se fait, et l'électricité passe toujours au plus facile. Donc, elle va passer fusible, hop, directement à la masse, en passant par la lumière, ce qui fait allumer ta lumière. Donc voilà, donc nous maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être de faire notre ligne ici. Mais pour le moment, vous n'allez pas le voir, ça va pas vous paraître. Je n'ai rien. J'ai juste tout démonté pour voir par où je vais passer tous mes câbles et tout le bordel. En tout cas, bref, on avance. On va se faire un petit tour de roue. Hein, un petit tour de roue et je vous reprends par la suite. À tout à l'heure, les stations. Bon, ben voilà, les stations. Alors, vous allez me dire pourquoi je m'enquiquine à vouloir faire une ligne pour mes bouliches sur le camion, quoi, du coup. Parce que là, vous voyez, tu as le dégivrage des rétroviseurs, donc tu peux régler dans ton ordinateur si tu veux qu'il s'enlève automatiquement. En gros, c'est une tempo. Au bout de tant de temps, il s'arrête, quoi. Donc moi, je l'ai réglé à ce qu'il s'allume tout le temps. Parce que dès qu'il pleut, bah, on est en Bretagne, quoi, tu vois, il pleut assez souvent. Et du coup, ils sont quasiment allumés toute la journée. Donc imagine que ben, là, ben, moi, mes veilleuses, je sais pas si tu le vois là, elles sont éteintes, quoi. Voilà, je les allume en forcé. Toc, c'est allumé. Mais elles sont éteintes là, il fait presque sombre. Hein. Bah, après, c'est automatique le truc. Mais, hop là, je te remets comme il faut. Mais le truc, ce qui fait que bah, moi, je roule souvent allumé, ce qui fait que ça, bah, du coup, il n'y aurait que mes bouliches allumées en permanence, alors que tout est éteint à côté. Donc, ça ferait un peu bizarre pour moi. Personnellement pour moi, donc je préfère tirer une ligne, et ce qui évite aussi des pannes par exemple sur le dégivrage du rétroviseur. J'aurais pu très bien me prendre plus moins sur le dégivrage du rétroviseur, ce qui fait que j'aurais pas eu besoin de tirer une ligne complète sur le camion, ce qui fait que ça
Ben, c'était protégé par le dégivrage du rétroviseur, par le fusible du dégivrage du rétroviseur. Mais ça aurait pu être, par exemple, si un fil coupe avec une soudure ou un domino ou un wago ou ce que tu mets, ça dépend. Comment tu fais ton montage, eh ben, tu peux couper un fil, couper je sais pas, une platine, que là, en fin de compte, si tu pars de la boîte à fusible qui est là, tac, tu vas à ton rétroviseur là-bas, tu passes ta ligne, tu passes dans tes accordéons, entre les portes, tu viens ici, eh ben, c'est une ligne dédiée que pour ça, protégée. Ce qui fait que ben, si tu as une ampoule qui grille ou un truc comme ça, tu sais que c'est que sur cette ligne-là. C'est pour ça que j'ai voulu faire ça directement comme ça, parce qu'il y en a aussi qui arrivent, quand tu ouvres ton capot devant, tu as un boîtier, je sais plus si c'est ici ou l'autre côté, là-bas, là. Tu as un boîtier où c'est marqué interdit de passer de Karcher. En fin de compte, c'est toutes les prises et les sorties de fil de la cabine qui vont devant le capot moteur. Et puis, pour redispatcher, hop là, la ligne, pour redispatcher sur ton véhicule, quoi, si tu veux. Et il y en a qui arrivent, qui prennent sur le faisceau, ils coupent le fil ou la broche, ou ils remettent une broche avec un double fil. Mais moi, je ne voulais pas ça pour éviter d'avoir des défauts. Par exemple, si tu prends sur tes veilleuses qui sont à LED, ça te fait plus de ça te fait une consommation plus élevée d'électricité, vu que la LED ça consomme pas. Ça te fait une consommation. Le capteur va détecter qu'il y a une consommation, et pour lui, une consommation plus que ce qu'il devrait consommer, pour lui c'est comme si l'ampoule était grillée ou la LED, et ce qui fait qu'il va te marquer un défaut moteur, un défaut ampoule, par exemple si tu prends sur ta veilleuse avant gauche, défaut ampoule avant gauche, veilleuse avant gauche, et tout est calculé sur les camions maintenant, donc la moindre résistance plus ou moins forte sur une ampoule, et bien lui il va le détecter, il va détecter une anomalie, quoi. Donc après tu aurais des défauts au tableau de bord. Que là moi avec le système que je fais en fin de compte, eh ben j'aurais pas de défaut parce que c'est. Il n'y a pas de capteur et c'est une ligne spécialement faite pour les bouliches et les gabarits double ampoule, on va dire. Donc voilà les stations. Je continue tranquillement à réfléchir, mais ça fume dans ma tête. C'est un peu le bordel, j'ai jamais fait ça, jamais monté ça pour qui que ce soit, même pour moi. Donc là j'ai démonté hier cette partie là, tu vois, où t'as tous les machins là. Donc c'est juste pareil, c'est clipsé, c'est bien clipsé, tu vois. Mais en fin de compte, t'as la tôle extérieure, tu dois avoir une isolation et la fenêtre, et t'as une autre tôle devant qui protège. Donc je vois pas comment, faut que je démonte tout mon panneau. Là, il faut que je démonte tout mon panneau ici pour pouvoir comprendre. Mais ça, je vais pas vous le faire voir. Je vais vous le faire voir que quand ce sera acté, fait ou en cours de fabrication et que je serai sûr de mon coup. Donc pour l'instant, on va vers là-bas. Allez, les stations. Envoyez tous les bons chiffres à Enrique, la station, avec son sac à gnat. Bonjour monsieur. En lui souhaitant les bons chiffres et un bon courage pour faire de la benne là sur la région parisienne. Allez, tu peux te rabattre Enrique. À tato, bon courage. Bon ben voilà les stations pour se faire. On va avoir besoin du truc comme ça. Et tu vois, j'ai resté sur mes traditionnels fils. Fil d'enceinte là, tu vois, que j'avais récupéré, qu'un gars de la déchette m'avait dit oh tiens, il y a des gens qui jettent ça, si tu veux ça t'intéresse, et si tu veux. Et là regardez, je l'ai mise en cage, la future RCX. Donc toujours à la recherche de pièces, donc beaucoup de pièces comme tu le vois, si tu quelque chose comme pièce d'RCX, fais-moi signe en commentaire ou sur Insta ou sur Facebook, sur Messenger ou par message sur je te mets en lien tous mes réseaux sociaux. Et du coup, je cherche des pièces pour l'avenir. Donc, tu vois, il me manque beaucoup de choses. Hein. Il me manque beaucoup de choses. Toutes les pièces que j'ai reçues avec, en fin de compte, c'est des SPX. Alors, il y a de l'argent à mettre dedans. Bon, hier, je vous reviens à les stations. J'ai déjà commencé à boigner mon histoire. Donc, tu vois, j'ai installé des, c'est pas des doubles ampoules, c'est des feux de gabarit.
Feu de gabarit chez Polytrux. Polytrux à Donf. Regarde-moi ça, même la casquette qui est là parce qu'on a du soleil en Bretagne. Donc tu vois, je t'ai mis ça, j'ai installé ça comme ça. Donc au lieu de mettre une grosse plaque vissée avec des vis parker là, des vis à placo, j'ai mis des vis auto-perforantes, de fer plat. Ça, j'ai mon fil. Là et là. Ça a le soleil. Voilà et là qui reviennent. Et donc après, ce qui me reste à faire aujourd'hui, c'est de passer un. Bon, ça, je vais pas vous le fumer. Hein. Je vais vous passer le faisceau ici, par là. Tac, là, là. Et on va arriver dedans. Et ensuite, on ira brancher tout ça. Oh, il y a du vent. On ira brancher tout ça, mais faut que maintenant je fasse mes trous là pour mes bouliches. Mes bouliches, elles vont venir ici. Donc, c'est du 24. C'est du 24 qu'il faut, faut percer en 24 du coup. En diamètre 24, donc pas moins. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. En 24, puis à coulisses. Hop. Je cherche ça dans mon bordel organisé là. Tu vois, c'est mon bordel organisé. Quand c'est trop rangé, j'arrive pas à trouver. Donc tu vois, il faut. Donc là, on est à. En serrant un peu plus. On est à 24 et des poussières quand tu lis sur un pied à coulisses. Bon, ben 24, c'est bon. Tu vas pas voir, je sais pas si tu vois. Enfin, bref. Et du coup, moi, ce que j'avais d'origine, c'est ça. Si tu veux, à l'origine, c'est monté avec des supports. Vincent qui me les a amenés. Tu as le support qui est ici, comme ça. Donc, souvent, c'est un peu dégueu. C'est un peu dégueulasse de laisser le gros support. Donc ce que le vendeur lui avait dit, c'est que en fin de compte, tu fais un trou 24 moins, un tout petit peu moins, pour que ça passe à fort, parce que tout ça, c'est du caoutchouc. Donc c'est bah, tu vois, c'est souple, quoi. Et il n'y a pas de polarité. Donc j'installe ça. Souvent les LED, tu as un plus, un moins, ça passe de comme les diodes, quoi. Ça fait un peu comme les diodes, il me semble. Tu as un plus, un moins, ça passe, et du moins vers le plus, ça passe pas. C'est pas comme les ampoules. Et apparemment, celui-là, il doit avoir un boîtier dedans. Qui fait que ça marche dans les deux sens. Donc voilà pourquoi ce que je voulais vous expliquer pour que ce soit en 24. Si tu fais par exemple 24 et demi ou 25, et ben ta bouliche elle sera libre dans le plastique, du coup, ce qui fait qu'elle bougera comme ça. Vaut mieux que ce soit un peu moins de 24 ou 24 pile, comme ça elle est maintenue par le caoutchouc souple, et c'est comme ça que ça tient en fin de compte les bouliches. Donc voilà les stations, on va essayer de s'installer ça tranquillou bidou. Bon, voilà les stations, comme je vous disais. Cette gaine là, hop, est traversante. Oh. Donc ça, c'est branché. Oh merde, il y a du vent là, ici. Tu vois, j'ai branché ça ici. Là, j'ai mis des prises mâle femelle là, avec une gaine thermo. Là, ici. Toujours avec mon fil Wish là. On passe là, on passe là, on passe là. On passe là. Trrr, tac, tac, tac. Donc là, je passe derrière l'entrée d'air. Et pour le branchement, est-ce que tu vas voir là? Oula. Pour le branchement là, tu vois, il y a une espèce de cône souple sur les Scania là. Ah. Là, ici. Oh, le focus. Ici, en fin de compte, tu as une espèce de cône souple qui arrive directement sous le comment? Sous la comment? Le plancher du passager. Et donc du coup ici on arrive, donc là allez, je vais essayer de te faire voir, on arrive ici, voilà. Hop, elle est là la gaine, donc c'est une gaine traversante qui arrive ici, donc c'est parfait pour moi, j'ai pas besoin de me faire chier à enlever tous les carénages, passer mes fils, donc tu prends ton fil, bon après j'ai pris une aiguille, hein. Un fil électricien de maison, électricité de maison, je vais passer ici, toc j'ai remis celui-là, et donc là ensuite je vais... me branler ça comme ça, je cherche la solution, le pire ça va être là-dedans. Je pense que je vais être obligé de tout découper, décoffrer. Parce que là, j'ai regardé ça ici, ça c'est traversant direct, ça arrive là. Donc ici, je passerai dans mon petit accordéon là. Mais après, c'est d'ici en haut, je ne sais pas encore. Donc on enchaîne, on continue les stations. Bon, on s'en était arrêté ici, donc j'ai passé tout mon câble. Là ici, en fin de compte ici, ça devient, là c'est une autoroute. On arrive ici, d'origine, il y a de la place, on passe ici. Dans l'accordéon là, et donc pour faire la suite, en fin de compte, il faut démonter bah, tout le panneau de porte, quoi, et l'enceinte. Et l'enceinte, et du coup, tu arrives derrière là. Donc là, ce que tu vois, merde, ce que tu vois ici là, où il y a le fil qui est entourné, la grande barre noire là, bah, c'est la fenêtre, donc tu n'as pas intérêt de passer devant. Donc là, on est bien,
on est bien derrière, tu vois. Donc si tu te mets ici, tu vois, si tu coupes à travers, ben, quand tu vas ouvrir ta fenêtre, ben, t'es baisé, ça va couper le fil. Et ben, c'est le plus difficile, en fin de compte, c'est là. Je me fais chier la caquette. Parce qu'en fin de compte, toi, on arrive dans des prises, là. Bon, ben, mon fil, il passe, c'est tout en élastique, mais mon fil, il passe et il est dedans, là. Et une fois que je suis arrivé là, je suis bon, je suis tranquille. Ça va être fait. Mais en fin de compte, là, plus grosse difficulté, c'est même pas de faire le branchement, c'est même pas de tirer le câble, c'est vraiment là le passage du câble ici sur le rétroviseur, quoi. Dans le rétroviseur intérieur, ici, ça le fait tranquille. Bon, bah, de l'autre côté, ça va être similaire, je pense certainement. Il y aura peut-être moins de fil parce que, je sais pas, moins de fil peut-être dans l'accordéon, et encore, c'est pas dit. En tout cas, je continue, et vous voyez bien, on est bientôt rendu, on va bientôt percer la coque, et puis voli-volou, quoi. Mais bon, ça fait, quand tu regardes, ça fait beaucoup à démonter. Ouais. Là, je te dis qu'il y a du bordel. Pour pouvoir enlever la façade, il faut enlever tout le tour, là. Tac, tac, tac. T'enlèves tout le tour, ensuite t'enlèves tout le bordel. Et la façade, ben, tiens, on va aller voir. D'habitude, mon chien, il est dehors, là. Tiens, regarde. Il n'est pas heureux, lui. La paillette. On est bien. On est bien sous le cul-cul. T'as vu ça? Mon chien. Ah, c'est le bordel, les gamins, ils jouent. Toi, t'es obligé de démonter la façade en entier, comme ça. Et pour ce faire, bah, t'as deux grosses vis, là. Une là. Une là. Tu l'as... Donc, pour pouvoir l'enlever, cette machine-là, faut enlever tout l'encadrement, là. Tout l'encadrement. Et ça, tu la prends. Tu lèves, terminé. Et c'est bon, c'est fini. On continue l'incitation. C'est parti. Donc voilà, on se retrouve avec notre pièce qui est sous le rétroviseur. Donc, on va essayer de faire un truc à peu près correct. À peu près correct, entre guillemets. Toujours en mode wish, tu vois. Donc là, je regarde, moi, la largeur, ça fait 7 à peu près, donc la moitié, on mettra la moitié. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais percer mon trou, 7, vu que tes angles sont un peu guingois tout le temps, il n'y a rien de droit. Ce que je fais, c'est que je prends un espace à vue d'œil à peu près, 7, je mets le milieu. Donc là, on a à peu près 14, hein, avant la vague. Et du coup, je reprendrai exactement les mêmes cotes pour l'autre. Je ferai pareil. Donc là, je vais vous montrer juste comment je fais sur une coque. Les deux coques, c'est similaire, hein, c'est pareil, c'est exactement pareil. Le passage de fil, ce sera pareil, ce sera la même chose de l'autre côté. Et donc après, ensuite, il y aura juste d'un côté conducteur, il y aura plus long à aller vers ma barrette, si vous voulez, d'alimentation. Et côté passager, ce sera plus court, c'est tout simplement ça. C'est juste un passage de câble après, donc là, vous n'avez pas besoin de... J'ai pas besoin de vous stipuler par où je passe, machin, bidule. Peut-être que si je trouve quelque chose comme le petit tuyau qu'on a vu... qui va de l'autre côté, peut-être que je vous le dirai, sinon vous faites comme moi, vous débrouillez, vous enlevez les carénages, et puis tu passes ça comme ça. Allez, c'est parti, les stations. Est-ce qu'elle marche, elle? Est-ce qu'elle marche? Elle est en grève, elle est en grève, c'est lundi, c'est férié. Voilà, allez, c'est parti. Alors voilà, maintenant qu'on en est arrivé là, je sais pas si tu le vois, j'ai fait une petite croix à peu près, à vue d'œil. Donc on va pré-percer avec la visseuse. Allez. Ça, c'est bon. Ça percer avec les machins. Madine pas cher toujours. Hein. Les trucs là que tu trouves un peu partout dans les petits magasins. Et je perce. Soyons fous, on est fous. Allez go. Donc là c'était un max. Combien celui-là? 12. 12. Et maintenant on va passer aux choses sérieuses. Le gros morceau. J'étais chez le voisin boire un coup et me chercher ça. Toc. Là, ça rigole plus, c'est parti. Et ça gratte le matin. Il gratte le bordel là. Ça se met en première vitesse. Voilà. Ce qui permet de faire des tours normalement à peu près ronds. Voilà. Ce qui fait qu'on est dans un trou parfaitement rond de 24 mm. Tu me vois là? Tu me vois? Je te vois, tu vois plus. Et donc voilà. Donc là maintenant, on va. Je vais foutre un coup de papier de verre quand même. J'ai du vieux papier qui traîne là. Hop. Je vais foutre un coup de papier de verre parce que bah, tu as toujours des petites bordures là. Hein, des petits. Bavure, je veux dire.
l'intérieur aussi. Et donc voilà, donc là ça c'est l'avant, donc la bouliche, on passe le fil. Donc j'ai tout pré-machiné avec des des cosses. Donc, ça c'est l'avant, donc on va le mettre à peu près directement et on se fait ça ensemble. Donc tu vois, faut que ça force, hein. Faut que tu forces pour le mettre. Faut forcer ma paillette qui est toujours là, qui sent l'orage elle. Et voilà. Et du coup, en fin de compte, voilà. Voilà mon petit support. Et en fin de compte, en intérieur, ça donne ça. Et là, on est flush, on est à fleur. J'aurais fait 25 par exemple. Et ben, il aurait tourné dans le vide. Déjà, là, c'est. Faut pas moins. Faut pas moins. C'est parfait. Donc là, maintenant, on va se mettre ça. On va se brancher ça. Puis on va aller essayer ça. Je vous retrouve une fois que j'ai tout branché, moi. Parce que là, vous avez vu, j'ai passé le fil de la grande gaine en intérieur de tableau de bord. Arrivé devant dans la portière. En démontant tout le panneau de porte. Et ensuite là j'arrive, je vais tout rebrancher, je vais faire l'autre côté tranquillement de mon côté. Et puis en fin de compte, ben, je vous retrouve moi quand tout est allumé mes copains. Les stations, allez, est-ce que c'est toujours lundi férié aujourd'hui? Il n'y a plus beaucoup de batterie. Bon voilà les stations. Tant que ça se termine, moi je te le dis, regarde-moi le temps. Les portes ouvertes et tout ça. Même la petite, elle a tout abandonné. C'est installé. Il n'y a plus qu'à. Bon, ben là, j'ai été. Pour pas vous mentir, je me suis fait avoir par la pluie. Voilà, tu vois les fils rouges là. C'est mon aiguille que j'ai fait maison pour passer dans mes petits machins, là, dans mes accordéons, donc un de chaque côté. Donc, pour pouvoir démonter, comme je te disais tout à l'heure, il faut enlever là. Mais là, la flotte est arrivée. Et du coup, tout est en stand-by ici. Ouais, c'est tout démonté, mais en tout cas, maintenant, si on appuie sur le bouton, ça s'allume, les fusibles, ils ne pètent pas, et voilà. Voilà les stations, ce que ça donne. Les petits doubles ampoules, et de chaque côté, les blancs et les rouges. Bon, après, il fait encore un peu jour, donc ça se voit. De derrière, ça donne ça. C'est vrai que ça fait sympa comme ça ici. Peut-être que, à voir, faut que je vois avec Pierrot. Un Pierrot, faudrait qu'on voit quelque chose, Pierrot, du coup. Parce que du coup, j'aime bien. J'aime bien, c'est sympa avec le LED comme ça. C'est vraiment pas mal. Donc voilà les stations, si vous voulez me reconnaître. Maintenant, ça va se donner. Ça, sur le côté, ça donne là. Toi sur le côté ça donne mieux les petites loupiottes LED là. Et là. Donc voilà les stations, vous avez vu comment j'ai branché mes feux de calandre, on va dire, feux de calandre et mes doubles ampoules à LED. Moi je vous dis, si vous voulez vous abonner, si vous voulez me poser des questions, allez-y, l'espace commentaire est fait pour ça. Même ma paillette est désespérée. Même paillette est désespérée par le temps. Oh, j'en ai marre, je fais grève au milieu de la route. Hein? Gilet jaune, paillette, chaud, allez, j'en veux, allez, j'en veux, qu'est-ce qu'il y a? Un vrai chien de garde. Ça y est, elle n'en peut plus. Enfin bref. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous les stations. Moi je vous dis à la prochaine. Kenavo. Bye.